C'est tout pour le titre. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Le chef de l'État, Idrissa Bitno, a fait ce matin une descente inopinée aux entrepôts de la douane de Ngueli. Nassour Njiti a suivi le président de la République. Son reportage. Les descentes inopinées du chef de l'État, Idrissa Déby Itno, se suivent, mais ne se ressemblent guère. Celle de ce vendredi 17 août a surpris tous les collaborateurs du président de la République. Idrissa Déby Itno sort de son bureau sous un soleil ardent. Pas besoin d'un chauffeur. Il prend lui-même le volant de sa voiture. Nous empruntons les avenues Mobutu, Pascal Yadoum Nadji, le pont à double voie, faufilant entre moto-taxi et voitures privées. Destination inconnue. Arrêt, entrepôt de la douane d'Ngueli. Sur place, personne ne s'y attendait. Le président de la République Idrissa Déby Itno surgit dans un bureau, questionne les occupants, met à la porte séance tenante les faux douaniers. Une cinquantaine est renvoyée par le chef de l'État. Des femmes figurent parmi ces vrais faux douaniers. Le président de la République sermonne ceux qui ne servent pas l'État, mais se servent à satiété. J'ai de vos échos. Je ne suis pas venu ici en balade de santé. Dans un bureau, le chef de l'État questionne un responsable en ces termes. « Combien de douaniers avez-vous dans votre service ?»« 110 », rétorque-t-il. « Vous avez besoin de combien pour accomplir loyalement votre travail ?»« 70 », lui répond Ngirambete Justin. Séance tenante, le président de la République Idrissa Déby Itno se tourne vers le directeur général de la douane et lui demande de diminuer le nombre sous 24 heures. Sur place, Ngueli. Le chef de l'État a mis 2 heures pour inspecter les différents bureaux en constatant le travail qu'accomplissent les agents. Dans ses visites des différents bureaux, le chef de l'État constate la présence des policiers, gendarmes et éléments de l'Agence nationale de sécurité, ANS. Ils sont au total 110 policiers, 70 gendarmes et 14 agents de l'ANS. Ici, c'est la douane, a déclaré le chef de l'État Idrissa Déby Itno à ses éléments en présence de leurs directeurs généraux respectifs. « Votre place n'est pas ici », a-t-il poursuivi. « Quittez immédiatement les lieux, ordre donné, ordre exécuté. » Le président de la République, Idrissa Déby Itno, se tourne ensuite vers les femmes qui font le trafic des marchandises entre Koussiri et N'Djamena. « Vous avez assez fait. Le pays a perdu beaucoup d'argent à cause de vos pratiques malsaines. Quittez les locaux de la douane en 5 minutes ou je vous fais emprisonner toutes. » Les femmes commerçantes s'exécutent. Puis avant de quitter les locaux de la douane d'Ngueli, le chef de l'État Idrissa Déby Itno rencontre une poignée de douaniers professionnels et leur dit ceci. Vous êtes ici pour servir le pays. Vous êtes suffisamment servi. Je sais de quoi je parle. Je vous laisse 1 mois pour voir si vous allez changer ou vous n'allez pas changer. Si vous ne changez pas, je vais vous faire changer. Ne travaillez pas pour votre ventre, pour votre poche. Travaillez honnêtement pour le pays. Sans être d'accord. La prochaine fois que je passe, si les choses n'évoluent pas, ça veut dire que vous avez failli. Et je ne vous dirai pas quand je viendrai. Je ne suis pas venu en promenade. Je suis venu pour arrêter le désordre qui se fait dans cette maison. Y compris par vous, les douaniers, les premiers concernés. Vous êtes suffisamment enrichis, vous êtes suffisamment construits. Il faut arrêter maintenant. Ok ? Vous avez un souci d'un mois. Un mois, je verrai le résultat. On s'entend bien? Qui est le chef parmi vous? Votre chef est où? C'est vous? Changez la situation. Votre nom? Prenez son nom là. Hassan Aladji. Assalamu alaikum.
de tous les responsables, de toi en premier. Sur le chemin de retour, le président de la République s'arrête au rond-point à double voie. Il fait arrêter tous ceux qui exercent au Bureau national de fret, BNF. La police de la circulation routière, qui n'était pas au courant de cette descente inopinée du chef de l'État en Guélie, s'y rattrapera au retour du cortège présidentiel. Une confidence. Journaliste que je suis, j'ai été pris au dépourvu. J'ai suivi le président de la République sans un écritoire, moins encore un calepin. C'est pour souligner ici le caractère exclusivement inopiné de la descente du chef de l'État Idriss Déby Itno aux entrepôts de la douane d'Ngueli. Le président de la République, Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, a offert hier un banquet aux militantes et militants du MPS à sa résidence privée. À cette occasion, la liste de nouveaux membres du bureau politique a été rendue publique. L'ancien secrétaire général